Apparu sous le feu des projecteurs en 2014 à travers l'émission Cimidi et titulaire d'un diplôme en marketing et communication, aujourd'hui incontournable dans ce milieu de l'audiovisuel, Jessica Bomba est présentatrice télé, actrice de cinéma et maîtresse de cérémonie. Originaire de Bundiali et de Dimokro, ce pur cacao made in Côte d'Ivoire dévoile dans cet entrefeu les rouages de la prise de parole en public. Alors pour être une bonne oratrice, je pourrais dire qu'il faut travailler sa diction, c'est très important. Il faut travailler sa diction, faire une formation, peut-être s'exercer à la maison, devant son miroir, travailler sa diction. Parce qu'avant de prendre la parole, la première question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce que je veux que les gens retiennent. Ensuite, il faut travailler la forme. Comment je veux le dire? Avec quel ton? Est-ce que je vais être sérieux? Est-ce que je vais être un peu décalé? Est-ce que je vais être gentil? Est-ce que je vais être courtois? Est-ce que je vais être impertinent? Tout ça, il faut l'identifier. Et ensuite, moi, en ce qui me concerne, j'utilise la règle des 7C. Il faut être clair. Il faut être concis. Il faut être concret. Il faut être cohérent. Il faut être complet. C'est-à-dire donner un maximum d'informations, mais sans trop tirer en longueur. Il faut être correct, éviter de faire des fautes, évidemment. Et puis, il faut être courtois. Pour moi, prendre la parole, être un orateur, c'est transmettre, c'est donner. Donc ça demande beaucoup d'humilité et de générosité. Et le dernier point, il faut prendre du plaisir. Il ne faut pas avoir peur de se tromper. Parce que même si on se trompe, c'est pas grave. Voilà. Déjà, il faut savoir que c'est un vrai métier à part entière. C'est un métier qu'on ne choisit pas parce qu'on veut briller, parce qu'on veut passer à la télé, parce qu'on veut être connu. Il faut venir à ce métier-là parce qu'on aime donner, parce qu'on aime transmettre, parce qu'on aime mettre la lumière sur les autres. Parce que lorsqu'on fait un programme, lorsqu'on fait une émission, la star, c'est pas vous, c'est le programme. La star, c'est l'invité. Il faut le faire parce qu'on a envie vraiment de donner. Parce que c'est un métier, c'est vrai, ça a l'air cool, ça a l'air fun, mais on ne compte pas les heures. Ouais. Et c'est un métier qui est ingrat, parce qu'une fois que vous n'êtes plus devant la caméra, on vous oublie. Donc il ne faut pas venir parce que vous voulez shiner, sinon vous allez avoir beaucoup de frustration. Il faut venir parce que vous pensez que vous avez quelque chose à apporter. Et on n'oublie pas que la télé, ça reste un outil hyper puissant où ce que vous allez transmettre est très, 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 très important. Vous avez la possibilité de parler à des centaines, des milliers, voire des millions de personnes. C'est fort quand même. Il faut venir par amour et par générosité, surtout.